Et bonjour tout le monde et bienvenue sur du Pickle Magico. J'espère que vous allez bien, ça va tranquillement, tranquillement, tranquillou. Bon, alors précédemment, nous on était en train de construire un petit peu ici parce qu'on avait besoin de Tomcraft pour avancer dans nos quêtes. Du coup, j'espère en tout cas que ça va tranquillement. Nous on continue Tomcraft. Alors, oui, nous en étions là. Nous en étions là. Alors. On avait fait ceci. Maintenant, il nous faut des anciennes jarres. Des. Oh, dis-moi que au moment d'une quête, tu vas nous donner des nodes. Ah, oh, ça pourrait être tellement pimp. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout simplement des glaces jarres. Donc, on va déjà prendre des petites glaces, tout tranquillou. Hop. On va en prendre jusqu'à 60. On va les retirer. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour obtenir des glaces panel. Pourquoi ces glaces panel? Vous me diriez, eh ben c'est tout simplement. Oh, putain, fait chier que les slabs en fait ne fonctionnent pas. Ok. Tac. Pouf. Hop. Tout simplement. Ah bah si, ça marche. Pouf. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que les glaces jarres, en fait, elles se font comme ceci. Alors pourquoi j'en fais plusieurs? Parce que une jarre correspond à un type. Un type de comment je pourrais appeler ça? Un type d'essence dans une jarre. Ah, il n'y a pas beaucoup d'aqua. Cependant, comment on peut la recharger? On peut la recharger via des nodes. Mais, je dis bien mais. Non, artifice. Hop. Fait chier que j'ai tout débloqué d'un coup, j'aurais dû débloquer petit à petit. Parce que là j'ai trop de choses et c'est assez chiant. Tac tac tac, appendice, ok, tomium, tomium, tomcraft, ok. Gold, god. Pouf, pouf, bon ok. En clair, il nous faut. Et en clair, il nous faut en fait des nodes. Des nodes avec de l'aqua dedans. Actuellement, je veux que de l'aqua. Là-dedans, qu'est-ce que t'as? De l'aqua, bah c'est magnifique. J'espère en tout cas que ça suffira amplement de faire ce qu'il faut. Ah, il n'y a plus que Glenny, c'est cool, c'est magnifique. La tour à meubles là-bas, tranquillement. Il me faudrait d'autres nodes. Je sais qu'il y a d'autres nodes. Alors, vous m'avez dit également de faire l'armure en Dark Matter et en Red Matter. Alors, oui, je vais le faire. Cependant, il faut que je setup un petit système qui me permet. Éventuellement, oh c'est magnifique d'avoir tout ça. Va te coucher toi. Il faut que je gobe tous les aspects de cette node. Ah c'est cool. Oh une tête. Je sais qu'il y a une autre node quelque part. Mais je ne sais plus du tout où. Ça doit être la node qui se trouve par là-bas. Enfin bref. Pour l'instant on a assez d'aqua pour commencer. Donc du coup. On va créer nos premières. Nos premières jarres. Alors, je vais en faire que 4. Alors, pourquoi je n'en fais que 4 dans l'immédiat? C'est tout simplement parce que dans la quête, ils nous en demandent que 4. Et 16 essentia tubes. Les essentia tubes, quand on voit la chimie. Ah, il me manque du perditio. Permutatio plutôt. Hop. Je les ai débloqués, donc c'est de la glace, du fer, du gold et du quicksilver. Sachant que le quicksilver, la glace, du gold, glace, glace, gold, faut que je regarde. J'étais pourtant sûr d'en avoir. Quicksilver. Est-ce que j'en ai ici? Quick, non. Silver. Peut-être que j'en ai dans le coffre là-haut que j'ai oublié. Ça serait bien parce que c'est assez chiant d'en trouver ces petites perles. Est-ce que j'ai du Quicksilver ici? On dirait pas. Forcément, je suis sûr que je vais pas réussir à en avoir.
Cool, des têtes de zombies. Effectivement, je n'en ai pas. Malheureusement, il va falloir que j'aille en chercher. Où? Il y a beaucoup de... Ouais, finalement, ça produit plutôt pas mal, hein. Je vais peut-être rester sur ce modèle. Bon, même si le modèle que je pense, il produit beaucoup plus que ça, mais dans le principal des cas, ça produit quand même très très bien. Alors, pour la beauté du geste, sachant que je n'ai pas la Quicksilver, je vais vous faire du coup le Project E, l'armure. Alors déjà, la Rad Matter, elle est assez simple à faire. À la Dark Matter plutôt. Voilà, j'ai fait l'armure, de base, voilà, c'est magnifique. Et tout, et tout, et tout. What? Ah oui, oh putain, ça coûte tellement cher. Oh, c'est magnifique ça. Du coup, une fois que nous avons ça, nous allons faire directement la Red Matter. Qui est de Fulanis. 1, 2, 3. Normalement c'est ça. 3 milieux. Non. Ah d'accord, c'est qu'il m'en faut 6 et 3 milieux. Je pensais que c'était autre chose. Ok. Voilà. On a notre Red Matter. Qui doivent scanner quand même pas mal. Ouais, c'est magnifique. Donc notre animateur qu'on en a déjà là, largement en plus. Donc on peut mettre tout ça là-dedans. Hop, on va faire ça. On va nous prendre du coup, pour faire le casque, 5 Red Matter. Donc cette fameuse Red Matter là. On fait ceci, on fait notre casque et ça nous obtient de la Red Matter directement. Le casque en Red Matter. A noter aussi que quand on le fait comme ça... Déjà on a un style bien particulier, assez méchant. Ensuite, il nous faudrait ceci avec que de la Red Matter. Donc, bah, du coup, ce qu'on va faire, tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Donc ça coûte assez cher, mais n'empêche que... Voilà, c'est que disons que peut-être ça coûte énormément cher, certes, mais ça vous protège à une vitesse grand V, donc vous n'allez pas cracher dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement c'est 7 aussi. Voilà. On scanne, hein. On scanne toujours, pourquoi? Parce que ça a beaucoup d'aspects ce genre de choses. Et les bottes. Les bottes qui sont comme ça, plus 4 Red Matter. Et voilà, nous avons nos bottes. Oui! Alors, là pour l'instant, je suis insensible à tout. Hein, vraiment à tout. Même si j'avais pas ça, je serais insensible. Parce que l'armure est quand même très pétée. Cependant, maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons faire justement ce qu'on appelle... l'armure ultime. Oh. Alors, il nous faut de la Red Matter, du lapis et de la de l'eau. Alors, lapis. Ok, j'en ai un. De la de l'eau. D'ailleurs, la de l'eau, c'est 6. Voilà. Et de la Red Matter, il nous en faut deux. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va en avoir besoin vraiment, vraiment partout. Ah, d'ailleurs, j'ai pas scanné ça. Ah, si. Hop. Donc, on a notre Soulstone. On va scanner. Oh, ça récupère pas mal de choses. Donc, hop, notre Soulstone. Ensuite, on va continuer. Il nous faut notre amulette. C'est de l'eau et de la Dark Matter. Ok, maintenant, bucket. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va ici. Tac. Notre... petit seau d'eau, l'amulette qu'on va tac reprendre parce qu'on en a besoin. Voilà, qu'on scanne toujours, c'est toujours important. Ça et ça, maintenant on peut le jeter là-dedans parce qu'on s'en fout maintenant.
Et maintenant, une fois que nous avons ça, donc on a ça et ça, plus ça, maintenant il faut faire notre Landstar Oméga. Alors, entre Landstar, Star, non, Klein, KL. Ah, j'ai toujours. Ah, je l'ai pas faite. Oh, je l'ai pas faite. Non, sérieusement. Alors, du coup, nous faut du Mobius Fuel et un diamant. Alors, nous faut le diamant. Déjà, on va récupérer le diamant. Notre fuel. Ah, genre, le Mobius, on l'a pas. Eh bah, tiens, on va l'avoir. Hop. 4 et un 6, voilà. On scanne. Ça fait toujours du truc par-dessus. On l'entoure et on met un diamant. Et ça nous fait notre première Clan Star. La version principale. Maintenant, on fait là. On va rechercher la cane. Hop. 3 et un 4. On fait la même chose. On la fusionne dans la table. On obtient la deuxième. La deuxième. Ah d'accord. On peut pas scanner, très bien. Alors, Kane. L'Alzfei, c'est la deuxième. D'ailleurs, c'est un Allemand qui l'a. Qui l'a créé le mode là, je m'en rappelle plus. La deuxième, la troisième, Dry. Hop. Hop. Hop et hop. Voilà, nous arrivons à la quatrième. Bien sûr, le MC monte de plus en plus. Vive. Hop. Et maintenant, c'est un mignon. Un mignon. Un mignon. Un mignon. Nous avons la sphère. C'est quand même pas dégueu la sphère. Hop. La sphère. 1, 2, 3 et 4. Attention, à partir d'ici, on va créer l'Oméga. La Clan Star Oméga. Alors, la Clan Star Oméga, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une batterie, comme c'est marqué ici en fait. C'est une Big EMC batterie. En fait, ça contient 50 millions d'EMC dedans. Comment on les recharge? Soit vous la mettez là-dedans. Voilà, elle se recharge en énergie, stock EMC. Soit dans les antimatières qui se trouvent là-dedans. Hop, normalement ça se recharge si vous avez rien autour. Donc du coup on est tranquille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la star, déjà on va la mettre là. Alors ça coûte 25 millions, hein, c'est quand même. C'est assez cher quand même, il faut dire ce qui est. Mais maintenant, on peut faire ça, la star, la soul, là. Et nous avons notre. Oh, c'est cool, ça a du duplique. Voilà. Et ça nous permet en fait d'obtenir notre casque ultime. Bien sûr, on a des commandes à titre avec. On peut avoir Night Vision. Et avoir constamment en fait l'effet de. Comment? De parcourir sous l'eau. En fait, on a tous les effets à l'infini. Maintenant, une fois que nous avons ça, on va faire. Cette gemme là, donc la Body Sword, la volcanique, alors bien sûr c'est des buckets de lave. 2, 3, 1, 2, 3. Il nous faut de la Dark Matter. Voilà, on met ici, on met nos seaux de lave. On obtient notre volcanique, Volca, qu'on va scanner. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, on va chercher ici. Il nous faut notre body, qui est cette fois-ci avec du sucre. Sugar. 6. Et il nous faut quoi d'autre? Du lapis. Hop là. Ensuite, nous retournons là-dedans. Tac, tac, tac. On a notre body qu'on scanne. Voilà. La body que je mets là, que je peux reprendre aussitôt. On peut reprendre notre Clan Star Omega et on peut prendre notre armure. Et voilà, nous avons notre
notre body à fond. Waouh, en plus ça fait beaucoup d'aspects, c'est ça qui est cool. Ensuite là, Volca. En plus c'est une allumette. Une allumette. Oui, c'est une allumette. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Une allumette. Une amulette. Oh putain, j'ai eu du mal à le lire. Ici on peut avoir Gravity et ici Jump Assist, qui est plutôt pas mal. Faut dire ce qui est. Ça permet, en plus ça permet d'accélérer le temps comme le réduire, c'est ça qui est cool. Ça permet de voler. Et puis voilà. La Swift, Iron Bag, Amulette et Iron. Iron. Non. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, l'iron au milieu. La bande, voilà. Il nous faut la Dark Matter, 1, 2, 3, 4. Il nous faut des Feathers. 4. Ensuite, on va là-dedans. Hop, la Swish. 1, 2. Voilà. Ensuite, il nous faut les petits pieds, il nous faut une Clean Star Omega encore, 25 millions. Et les bottes. Voilà. Oula. Alors déjà, on court beaucoup plus vite. Et on vole. On permet de voler. Alors je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais, c'est bien ça. C'est les boots qui nous permettent en fait de voler complètement. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors bien sûr on peut rester stationnaire aussi, c'est complètement pété. Mais c'est vraiment pété, hein. On peut vraiment tout faire et ça je trouve ça ultra cool. Alors il y a éventuellement aussi le fait d'avoir les jambes. Les jambes sont pas mal mais en même temps je les aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut monter et en appuyant sur Shift en fait on descend à vitesse grand V. Au sol et je trouve ça moyennement avantageux pour certaines choses. Cependant, c'est quand même grâce à ça que on peut se déplacer assez rapidement. Donc on va quand même se la faire, même si je préfère largement ne pas l'avoir. Alors, il nous faut des iron, des strings. Des strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la plaque, hein, c'est ça, ouais. Bande. La dark. À la bande, les strings. Et ceci, ça fait la blackwood. La bande. Hop. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai scanné celle-là. Non. La suif non plus d'ailleurs. En plus ça fait tellement d'aspects, autant les prendre. Hein. Hop, nous avons ceci maintenant. Jump. Oups, c'est celle-là. La watch. La watch qui est obsidienne, glowstone, dark. Ok. Alors, du gold. Qui nous permet en fait de faire tout simplement la petite cloque. Voilà, la cloque. Alors, on va la faire en sorte que ça marche bien. Une autre cloque. Ensuite, nous devons... c'est laquelle? C'est celle-ci. Obsidienne. Obsi. Nous en faut deux. Il nous faut deux de glowstone en bloc. Et il nous faut quatre dark matter. Hop! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Hop, on a notre watch. Voilà, c'est magnifique. Vous pouvez voir là, actuellement, en fait, je déplace le temps à une vitesse grand V. Là, je le recule, là, je le mets off. Je l'avance à vitesse grand V, en fait, hein. Hop, je le mets off parce que ça ne sert absolument à rien que je le mette. Ensuite, les bottes. Il me faut une autre Clean Star Omega et je n'ai plus assez de MC. Est-ce que tu en as produit, toi?
Ouais, t'en as produit, mais pas énormément. Sachant qu'une Glenstar, c'est quand même 25 millions, donc bon. C'est quand même pas négligeable. Cependant, est-ce que j'ai quelque chose qui coûte assez de MC? J'ai rien qui coûte autant de MC, quoi. Même si je réduis tout ça à néant, j'aurai largement pas ce qu'il faut, quoi. J'ai quand même avancé pour faire ça en sorte que ça marche. Tac, 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 et tac. Ouais, je suis qu'à 9 millions, je n'aurai largement pas assez ce qu'il faut. Donc du coup, c'est assez problématique. Bon, en tout cas, c'est cool déjà, on peut avancer très vite. Est-ce que en jetant quelque chose dedans, je peux découvrir comme quoi il y a du métal? Oui, c'est magnifique. Grâce à ceci, en fait, je peux savoir ce qu'il y a dans Tomcraft. Donc du coup, c'est très pété. C'est ultra pété pour avancer. Là, vous voyez, j'ai pas eu les jump assist, donc je ne peux pas faire en sorte de monter ici. Mais en tout cas, c'est franchement très cool comme arme, armure surtout, parce qu'on est vraiment insensible à tout maintenant. Vraiment tout, 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 tout. Bon, à part Blood Magic, on peut saigner à 100, mais c'est qu'une partie. Oh! Un trou. C'est moi qui fais ce trou-là? Je m'en rappelle pas. Sinon, on va se laisser là, les petits. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était un épisode assez court, évidemment, mais qui a son importance concernant notre suite d'aventure. En aventure, toujours en aventure, et encore en aventure. 2, 3, hop. Parce que je pense qu'il y en a autant de l'autre côté. Ouais, c'est bien ce que je disais. Parce que sinon, il y a des mobs qui pop là-dessus, c'est chiant. Sur ce, bisous tout le monde, c'était EP, et rendez-vous à la prochaine. Ciao!